sont les contours, la question nous intéresse. Dans ce numéro de Ça fait débat, et la seconde, la Mouka, est-il réellement au bord de l'implosion? Voilà, les réponses c'est tout à l'heure avec les invités. D'abord, Steve Kavuata, cadre de la Mouka, à mon extrême droite, et puis suivi de Dieudonné Mouchagaloussa, qui est acteur de la société civile. Oui, il fait partie, c'est lui le leader du panel des acteurs de la société civile de la RDC. Et à ma gauche, je reçois Prince Tshabola, coordonnateur de Vivre Autrement. C'est pour la première fois qu'on le reçoit sur ce plateau. Billy Kambalé, cadre de l'UMC, nous rejoint tout à l'heure également. Il fait partie du CASH. On ouvre le débat avec vous qui êtes là. D'abord, la Mouka, vous avez suivi justement cette coalition qui se met en place. Les signaux sont donnés. Et vous, toujours alarmiste, vous voyez déjà qu'il y a une volonté de part et d'autre de pouvoir faire avancer les choses. Premièrement, je m'appelle Steve Kavuata, et non Steve Kavuata. J'ai parlé de Kavuata. Ah voilà, Kavuata. Merci pour la précision. La Mouka n'a jamais été alarmiste. La Mouka est en train de mener un combat pour la vérité. Et la Mouka continue à mener ses combats parce que finalement, nous représentons le changement. Et le peuple voulait les changements. Malheureusement, ce qui s'est mis en place, c'est la continuité. Bien plus, cette continuité est en train de s'établir avec une certaine confusion. Parce que la coalition dont vous parlez ne s'assume pas. Ce qui venait de se faire comme réunion à Kingakati, ce n'est pas une réunion de la coalition FCC-CASH. C'est tout simplement le FCC qui se consolide comme majorité parlementaire. Pourtant, le peuple n'a plus voulu du FCC lors des élections et surtout n'a pas voulu du président Kabila comme étant un acteur majeur. Et maintenant, s'agissant de la coalition FCC-CASH, il y a beaucoup de confusion. Jusqu'aujourd'hui, les cadres du CASH ne font que se plaindre sur la nomination de l'informateur, comme si le président proclamé, Félix Tshisekedi, avait besoin d'une autorisation venant de quelque part pour désigner un informateur. Pourtant, cette compétence, elle est discrétionnaire. Le président, pour désigner un informateur, n'a pas besoin d'autorisation. Mais pourquoi se plaignent-ils? C'est là où il y a effectivement beaucoup d'alarmisme. Pourtant, nous attendions qu'il puisse s'assumer par rapport à ce pouvoir obtenu grâce à un hold-up électoral. Alors, on continue avec justement ce premier tour de table. Prince Tshabola, quel est votre réaction par rapport à cette prise de position? Vous croyez comme la Mouka que les choses tardent à se mettre en place, le décor qui est planté ne rassure pas? On le constate justement même au sein de la population. Vous savez, nous avons assisté hier à un échange où la question qui était beaucoup plus en vue, c'était celle de savoir les 100 jours du président de la République, c'est contre à quel moment? Au moment où il prête serment, ou c'est au moment où le gouvernement est nommé en tant que tel. Nous nous rendons compte que les temps filent, mais nous ne voyons pas concrètement ce changement, parce que nous avions tous accepté en tant que tel, en tant que légaliste, les résultats qui ont été publiés par la Cour constitutionnelle. Parce qu'on nous a fait savoir justement que nous devions l'accepter comme tel parce que nous étions en plein dans le changement. Mais nous sommes en tout cas perplexes à ce jour quant à ce concept qui a été promu pour avaliser en tant que tel ce que nous avons connu comme, comment on appelle ça, la crise post-électorale en tant que tel. Donc nous sommes de ceux qui sommes au sein de la population et ce que nous constatons jusqu'à ce jour ne reflète pas donc absolument en tant que tel ce changement dont nous attendions à pied ferme. Alors Dieudonné Mouchagaloussa, la société civile qui est la vôtre, surtout au niveau du panel,
vous êtes en train d'attendre le changement à moins de 2 mois de Félix Tshisekedi au Palais de la Nation, un changement ex abrupto, voilà, comme une baguette magique. Et déjà, vous êtes dans les 100 jours, vous aussi. Non, je pense, franchement, on doit être réaliste. Nous, au niveau de la société civile, de panel des experts spécialement, comme on a l'habitude de le dire, nous analysons les faits. Nous parlons des choses concrètes. En moins de 100 jours, il n'y a rien qu'on peut attendre de quelqu'un si ce n'est que des signaux forts par rapport à ce qu'il va faire. Ça, c'est un élément qu'il faut souligner. Par rapport à ce qui s'est fait à Kingakati, je pense que c'est la formation... D'abord, les 100 jours, on les compte à partir de la prestation des serments ou c'est tout simplement à partir de l'entrée en vigueur du gouvernement? Non, non, les 100 jours se comptent à partir de la prestation des serments du chef de l'État. Dès lors qu'il avait prêté serment, il a fait les discours, il y a des éléments, et nous les avons vus, il a lancé quand même des signaux forts par rapport à tel secteur, par rapport à tel secteur, mais la mise en œuvre de toute sa politique, il va falloir qu'il y ait le gouvernement qui va être mis en place, il va falloir que ces gouvernements soient investis, il va falloir que ces gouvernements présentent les programmes, et c'est à ce moment qu'on peut se dire, bon, voilà, au regard de tel aspect, au regard de tel secteur, au regard de tel discours qu'il a prononcé, au regard de tel engagement, au regard de tel point qui était dans sa campagne électorale, on peut maintenant les juger sur base de ça. Parce que vous savez, même à l'heure d'aujourd'hui, il y a des ministres qui viennent de démissionner et donc qui devraient faire le choix entre l'Assemblée et le gouvernement. Et donc, nous pensons en toute réalité, en tout réalisme politique, d'une manière pragmatique, il n'y a rien qu'on peut attendre du président Félix Tshisekedi dans les 100 jours du jour où il a prêté serment, mais les signaux forts qu'il a lancés sur base de certaines urgences, nous l'avons vu sur le front diplomatique, nous l'avons vu comment est-ce qu'il vient de faire par rapport à la bonne gouvernance, le fait qu'il vient de remettre l'argent. Donc il y a quand même des signaux sur lesquels nous pouvons déjà projeter ce qui va se faire. Mais attendre... Ça, c'est ce que vous pensez au niveau de la société civile. Oui, au niveau de la... Alors vous réfléchissez comme l'Occident ou les partenaires extérieurs qui commencent à affirmer que Tshisekedi, Félix, renvoie des signaux rassurants. Oui, oui, nous pensons, nous, de la société civile, il faut être réaliste, comme je viens de le dire, il est vrai que Félix a accédé au pouvoir avec, comment il faut dire, les attentes sont nombreuses. Et nous, de la société civile, d'abord, je vais vous dire que nous n'allons pas les laisser parce que les combats qu'il menait quand il était dans l'opposition, par essence, par ressort, c'est les combats de la société civile. Et donc, il n'a pas droit à l'erreur. Nous attendons beaucoup de lui et la population attend beaucoup de Félix Tshisekedi. Mais il faut être réaliste. Dans peu de jours, qu'est-ce qu'il peut faire? Attendons qu'il mette sur pied le gouvernement. Et le gouvernement qui va être mis en place va refléter déjà d'office ce que ce gouvernement deviendra et ce que seront ses actions sur terrain. Et donc, nous pensons que ce gouvernement aussi tarde à venir pour plusieurs raisons. Il y a effectivement des réseaux politiques. Le temps de faire les calculs. Nous tous, nous ne savions pas qu'un président de la République viendrait de l'opposition. Et donc, il y avait des calculs qui étaient basés sur la majorité et où les choses pouvaient aller rapidement. Mais dès lors qu'il y a quelqu'un de l'opposition qui a accédé à la magistrature suprême, ça change tout. Ça change tout de A à Z et les calculs doivent être refaits. Ce qui veut dire que les gens qui sont au FCC, les gens qui sont dans l'opposition et nous de la société civile, parce que nous avons droit au chapitre aussi, nous devons faire partie de ces gouvernements. Les calculs changent donc l'état d'harmoniser tout ça et on comprend que ça ne peut que tarder. Et donc il faut que la population s'apaise par rapport à ça. Et voilà, ils vont récupérer un peu plus de minutes que vous avez eu au niveau de la MOUCA. On vous appelle encore la MOUCA parce que vous représentez la MOUCA sur ce plateau. Vous êtes aussi d'accord, comme la société civile et même l'Occident, que Tshisekedi Félix renvoie des signaux qui rassurent. Déjà, les premiers pas, ces premiers pas démontrent que l'homme a été préparé pour diriger cette grande nation. Il s'agit de quel pas? Nous ne le voyons pas. Il n'y a aucun signal fort, il n'y a que de la confusion. Premièrement, le pouvoir du président proclamé Félix Tshisekedi est assis sur l'hypocrisie. Premièrement, une hypocrisie qu'il entretient avec le peuple et une autre hypocrisie qu'il entretient avec son partenaire, qui est le FCC, chapeauté par le président Joseph Kabila. Pourquoi je le dis? L'hypocrisie envers le peuple, ça se démontre par sa démarche au niveau international, du moins international africain. En fait, il part auprès du chef de l'État pour résoudre son problème personnel, son problème de légitimité
Et c'est le même problème qu'il cherche à résoudre en République démocratique du Congo auprès des Congolais. Il cherche à légitimer son pouvoir. Au lieu de prendre de vrais actes de gestion du pays, qui peuvent effectivement exemple, consister de signaux comme, fonds, exemple, comme par exemple désigner un informateur. Au lieu de désigner un informateur, au début, nous avions assisté à un phénomène bizarre où le directeur de cabinet du président de la République s'est transformé en un OPJ ou en un autre Premier ministre. Il interpellait les ministres sans la présence de Premier ministre. Après quelques critiques, il est rentré en arrière. Aujourd'hui, nous ne voyons pas quel est cet accord clair qu'il a tissé avec Cash. Parce que ça devait être clair. Au lieu que ça soit un étonnement, moi je ne sais pas d'où sont venues les allégations de M. Mushagaloussa quand il estime que personne n'attendait un président de l'opposition, plutôt les choses étaient claires au niveau du peuple congolais qu'un opposant allait venir. Et de toutes les façons, à travers ces 30 jours qu'il a fait, il devait savoir que face à lui, il a une majorité parlementaire qui appartient au FCC, il y aurait un accord, mais qui n'est pas assumé de manière claire. On lui interdit de désigner un informateur, pendant que, en ces moments-ci, on a besoin de cet informateur. L'informateur devrait identifier cette coalition FCC-CAJ qui est au niveau du Parlement et déterminer le programme qu'ils vont conduire. Donc l'avocat attendait la nomination d'un informateur. On n'attendait pas, c'est ce qu'il devait faire, lui, comme président proclamé. Mais nous, on constate tout simplement que tout ce qui se passe, toute cette confusion, n'est que la conséquence du hold-up électoral qui a été fait, du fait que les institutions ne sont pas légitimes, du fait que le président proclamé n'a pas toute sa légitimité et ne sait s'assumer devant le président sortant, le président Kabila, et qu'en face de lui, il y a une majorité parlementaire qui ne s'assume pas non plus, qui se sait rejetée par le peuple, nous nous retrouvons devant cette confusion. Si la vérité des urnes était démise, on n'allait pas avoir cette confusion. Et malheureusement, on la vit encore dans l'épisode du discours du chef de l'État devant le diplomate, avec cette fameuse question de l'inverse sanction. Vous avez compris, je suis déjà chez Tiabola. Pas de problème. Au lieu de revenir sur... voilà, c'est la même chanson. Voilà. Non, c'est la question qui est toujours... Il faut qu'on évolue dans le débat, qu'on donne à ceux qui nous suivent... On ne peut rien construire. La matière, des arguments. On ne peut rien construire. Alors, Tiabola est dans Vivre Autrement. Vous vous attendiez aussi à la nomination d'un informateur qui s'est bloqué par la machine qui manque d'huile au sein de cette coalition FCC, également Cash. Bon, il est vrai que dès lors que nous réclamions au moment où l'opposition devait prendre le pouvoir, nous aurions justement un état de droit, il est du point de vue constitutionnel établi qu'à ce stade ce débat ne devait pas y être, donc celui la nomination de l'informateur, étant donné qu'au niveau de l'Assemblée nationale il n'y a pas un parti ou un regroupement politique en tant que tel qui a en lui seul la majorité parlementaire. Mais là n'est pas notre préoccupation majeure en tant que tel, M. Fabien Lumbala. Nous, au niveau de ce changement dont nous disons ici, bien que vous nous faites savoir qu'à ce jour, il y a des signaux forts qui sont donnés au niveau extérieur et on apprécie en tant que tel, la question est celle de savoir est-ce que le gouvernement ou encore les autorités actuelles devaient donner les signaux prioritairement à l'extérieur ou au niveau interne. Parce que nous, au niveau de la population, notre panier de la ménagère souffre encore. Nous ne voyons pas ces signaux-là. Nous sommes dans le transport, dans des difficultés récurrentes en tant que telles. Sous le plan social, il n'y a pas ces signaux-là. Est-ce que devions-nous s'attarder sur, d'abord, travailler pour donner des signaux à l'extérieur ou on devait d'abord travailler au niveau interne? Ça pose absolument un problème parce que nous ne voulons pas être victimes de l'escroquerie politique. Vous êtes dans ce qu'on appelle la cueillette, la culture de la cueillette, ou dans... justement l'exploitation des opportunités pour plonger, préparer le bonheur dans le durable. Absolument, parce qu'on a semblé nous dire, parce que nous avons été avec les opposants lorsque le président Kabila était au pouvoir,
on nous a fait savoir justement que lorsqu'ils viendront au pouvoir, le changement sera vraiment automatique en tant que tel. Nous sommes en train de nous plaindre parce que nous l'avions vu à l'époque, je crois, en 1992, si je ne m'abuse pas, ma mémoire peut me trahir. On avait vu au moment où on avait nommé, juste au niveau de ma primature, un opposant, nous avions vu des changements palpables des fonctionnaires qui s'étaient reconnus coupables dans une période de gestion de la chose publique en tant que telle, remettre ou rendre compte d'eux-mêmes en tant que telle, tant qu'il y ait un fouet ou encore une chicotte derrière. Donc ce signal-là, nous, au niveau interne, on en souffre. Sinon, si on travaille pour l'externe, on pourra bien l'avaliser. Et voilà, Dieudonné Moucha Galoussa, à Kinga Kati, vous en parliez, mais sans terminer, les principaux chefs des regroupements politiques et des partis politiques ont apposé leur signature sur les 7 engagements principaux. Quelle est la lecture au niveau de la société civile, éventuellement ceux qui attendent le changement en 30 jours apparemment semblent être déçus? Vous ramassez les deux. Oui, effectivement, merci pour cette opportunité, Fabien. Je pense qu'il faut quand même reconnaître en toute simplicité et en tout réalisme politique, mais aussi en tant qu'acteur, en tant que leader, ces signes forts. Sur le plan diplomatique, nous avons vu les balais quand même que le chef de l'État venait de faire en Afrique, en commençant par ses voisins. On ne peut pas ne pas prendre ça dans un sens positif. Le fait déjà d'avoir rencontré aussi des chefs d'État, ses homologues, le fait d'être élevé en tant que deuxième vice-président de l'Union africaine, nous avons vu quand même, ça c'est un signal fort de dire que la RDC, malgré tout ce qu'on a dit, ne va pas rester un pays enfermé sur lui-même, il veut encore aller plus loin. Nous venons de suivre ce qu'on vient de faire par rapport à la maison Schengen, c'est quand même un signal fort qui prouve que malgré que l'Occident, malgré que ces gens ont dit ce qu'ils ont dit contre nous en matière électorale, le chef de l'État il est ouvert. Ça c'est un signal qu'il faut signaler. Et la population congolaise, pour ceux qui voyagent, on a réclamé longtemps l'ouverture de cette maison-là. En moins de 30-40 jours, il n'a pas attendu toute la procédure des affaires étrangères, mais il a ordonné. Il faut quand même apprécier cela. Sur le plan social, nous l'avons vu pour une fois qu'un chef de l'État s'implique à la décrispation d'une grève des agents d'une entreprise. Nous avons vu ce qui s'est fait chez Transco. C'est un élément qu'il faut quand même signaler positif. Ça prouve à suffisance qu'on ne va pas permettre à ce que les PDG qui bouffent l'argent des fonctionnaires ou qui ne se mettent pas dans le bon travail. Et nous l'encourageons de demeurer sur cette voie. Et moi, s'il pouvait m'attendre, s'il y a des gens qui m'attendent, qu'il frappe encore plus fort. Là où il y a des grèves, là où il y a ceci, cela, qu'on mette ces gens à la disposition de la justice. Le fait qu'il a commencé déjà, qu'il continue sur cet aspect, c'est un signal fort qu'il faut souligner. Nous l'avons vu quand même par rapport à la lutte contre la corruption. Le fait que lui-même rentre d'une mission, il reverse une partie des frais de mission à la caisse, c'est un signal fort qu'il vient de lancer pour dire non, attendez, il y a quand même autant d'éléments qu'on peut signaler par rapport à cela. L'interpellation qu'on a faite, on vient de dire que le directeur de cabinet s'est comporté en opposition. Ça rentre dans sa mission. Il l'a bien dit, c'est sur instruction du chef de l'État. Et qui est mieux placé à faire cela en dehors du directeur de cabinet? Je ne le vois pas. Il ne faut pas que ce qui est blanc, nous puissions le faire noir parce que ça ne rencontre pas notre position. Ce sont des éléments positifs quand même qu'il faut signaler par rapport à ça sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan diplomatique, sur le plan militaire. Nous l'avons vu aller réconforter les femmes des militaires pour leur dire, pour donner un message fort à leurs époux, comme il a dit à la police et aux militaires, je suis avec vous, je m'occupe d'abord de vos familles, je viens les voir, je viens les rassurer, et en attendant la mise en œuvre, ça va se faire, c'est un signal. Parlons de Kinga Kati. On regarde ce qui s'est fait, vous et moi, personne, en Afrique, nous le savons qu'il n'y a aucun régime qui peut présenter un candidat et pense que son candidat va échouer. Nous savons en Afrique combien d'opposants ont déjà accédé à la magistrature suprême, à part le Sénégal, je crois, 2-3 pays seulement. Et donc, je peux réaffirmer haut et fort sur ce plateau que beaucoup de gens ne s'attendaient pas qu'un gagnant viendrait de l'opposition. Et que s'il viendrait de l'opposition, le régime en place allait lui permettre de prêter serment d'accéder à la magistrature suprême. Au point où, jusqu'au jour où on était en train de parler du contentieux électoral à la Cour suprême, les gens disaient non, le chef de l'État sortant, Joseph Kabila, va donner des injonctions à la Cour suprême d'invalider ceci, cela. Mais il a laissé la justice faire. Et aujourd'hui, ces choses faites, le président Félix Tshisekedi, il est là, il a le commandement de la nation, c'est lui le chef de l'État. Ça, c'est un élément. L'élément maintenant par rapport à Kinga Kati, au regard effectivement de cet élément-là, du fait que le Chadar, qui était le candidat proposé par Joseph Kabila, n'a pas été élu, il faut reconnaître que le FCC a échoué.
Et le fait que le FCC a échoué, il y a certains cadres du FCC qui n'ont pas bien fait leur travail. Il y a certains cadres du FCC qui n'ont pas bâti campagne pour Chadari. Et donc, les responsables, l'autorité morale de cette plateforme ayant reçu, ayant pris cette leçon, ils pensent qu'effectivement, il y a des gens qui peuvent rouler à l'encontre des accords qui ont été faits au sein de cette famille. Alors, quoi de normal que l'autorité morale de cette plateforme puisse rappeler ces troupes à l'ordre? Et je ne vois pas, nous de la société civile, nous l'avons toujours dit plusieurs fois, nous ne pouvons pas nous immixer dans la gestion politique du FCC. De la même manière, nous ne pouvons pas nous immixer dans la gestion politique de la Mouka ou de Cash. Si le FCC pense que pour des raisons stratégiques, pour consolider ce qu'ils ont comme acquis politique, pour permettre à ce qu'il n'y ait pas des gens qui vont... Nous savons les hommes politiques congolais, comment est-ce qu'ils chancellent. Ils vont aller vouloir faire des yeux dans la composante de Félix, ou dans la composante de Camus, ou dans la composante de la Mouka. Mais les chefs du FCC, il ne peut que verrouiller cela pour qu'ils puissent être garantis de tout ce qui reste. Et donc, moi, je pense que ce qu'ils sont en train de faire, je le trouve de bon oeil, d'autant plus que ce sont eux-mêmes qui peuvent décider de cela. Et voilà, nous allons revenir justement sur cet élément avant de pouvoir prendre la deuxième thématique de ce débat. C'est la réouverture décidée par les deux parties, l'Union européenne et surtout la Belgique et la RDC, la ouverture de la maison Schengen. Bonne ou mauvaise nouvelle? C'est une bonne nouvelle. Rupture ou continuité? C'est plutôt une bonne nouvelle, mais personnellement, j'ai vu l'accord. Je me pose la question à quel titre le conseiller du chef de l'État a pu engager le gouvernement pendant qu'il y a un ministre des Affaires étrangères et d'autres diplomates qui sont plus attitrés, parce que nous devons rester dans la Constitution de la République. Je suis vu M. Mouchagaloussa nous dire que le directeur de cabinet aurait qualité d'interpeller le ministre sans la présence du Premier ministre. Pourtant, notre Constitution est claire, le gouvernement est dirigé par un Premier ministre et les présidents ne gouvernent pas, tout simplement, parce qu'il n'est pas responsable politiquement devant l'Assemblée nationale. Les actes de gestion doivent être posés par le membre du gouvernement, et quand il s'agit d'interpeller un ministre, il faudrait que le Premier ministre soit présent. Et il nous parle de quelques opérations de charme, qui sont peut-être de bonnes actions, mais nous attendons plus. Aujourd'hui, le problème des entreprises publiques, et même de certains établissements publics comme Transco, ça ne se résout pas par la suspension d'un DG et par la désignation d'un intérimaire. Les problèmes sont plus sérieux que ça. Le problème est que dans les 100 jours, malheureusement, il n'aura pas donné les signaux forts de sa gouvernance. Les signaux forts, c'est quoi? Dire, va-t-il gouverner avec le FCC ou pas? Et avec quel programme? Quelle place aura le CASH dans cette coalition? Le FCC a maintenant 352 députés et CASH n'a maintenant que 49 députés. Voilà les questions de fond. Quel programme sera mis en exécution? Celui du FCC ou celui du CASH? Quand il commence déjà à poser un certain nombre d'opérations de charme, 163 000 dollars qu'il rembourse après sa mission, eh bien, ça peut séduire quelques personnes. Mais nous ne sommes plus en 1960. Il faudrait nous dire combien le chef de l'État a reçu, combien il a dépensé pour retourner combien. Mais la question fondamentale en termes de gestion, quand il retourne 163 000 dollars, alors il estime que la dotation qu'on accorde au chef de l'État, elle est exorbitante par rapport à ses missions. Nous attendons à ce que, en juillet, comme dans la loi relative aux finances publiques, il est permis qu'on puisse réviser ou modifier le budget. En juillet, nous attendons que la dotation du chef de l'État soit réduite et qu'il nous ramène le budget de 8 milliards qu'il a promis, parce que jusqu'alors, nous n'avons qu'un budget de 5 milliards. Nous avons besoin de vrais signaux forts et non pas de quelques opérations de charme pour séduire les gens qui ne connaissent pas la gestion de l'État. La réouverture de la maison Schengen sous une autre forme, vous attendiez vivre autrement, s'attendez à cette action? Encore une opération de charme? Écoutez, c'est une très bonne chose. Moi, personnellement, quand j'ai lu ce communiqué ce matin, j'étais en tout cas très rassuré, en tout cas quant au combat
parce qu'il faut le dire ici, contrairement à mon aîné Moucha Galoucha, c'est que ces changements ou cette alternance en tant que telle n'est pas un cadeau qui nous a été donné sur un plateau d'or, c'est le fruit de beaucoup de sacrifices. Et cette réouverture en tant que telle de la maison Schengen, c'est une conséquence, en fait, en tant que telle de la défaite de la résistance, de ceux qui résistaient par rapport au combat que nous menions à l'époque, celui de l'alternance. Et justement, il fallait, en fin de compte, revenir pour dire, écoutez, il ne fallait pas résister, il fallait laisser les choses continuer normalement. Donc, à notre point de vue, cette ouverture est une bonne chose, mais il ne faudrait pas qu'on la lie comme étant une faveur, comme étant quelque chose qui est acquis sans pour autant préalablement qu'il y ait un sacrifice consenti par rapport à cela. Et voilà, Dieudonné Moucha Galoucha, nous parlons maintenant de la Mouka. Quel avenir? La confusion semble s'installer au sein de la coalition. Il y en a qui quittent, il y en a qui chantent déjà Requiem sur cette coalition. Et voilà, l'implosion imminente. Oui, avant de parler aussi de la Mouka, je crois qu'il y a un élément important que je voulais quand même souligner sur l'ouverture de la maison Schengen. Il faut prendre en compte deux paramètres principaux, les acteurs et les circonstances ou les causes. Ceux qui ont contribué à la fermeture de la maison Schengen ne sont plus les mêmes acteurs. Donc reconnaissons quand même que si c'était les mêmes acteurs qui étaient encore en place, il y aurait eu beaucoup de difficultés de pouvoir faire l'ouverture de cette maison-là. Le fait qu'il y ait un changement d'acteur, et donc l'acteur qui vient d'arriver, le nouveau chef de l'État, il n'a pas d'antécédent par rapport à cela. Les circonstances dans lesquelles on a fermé cette maison, nous le savons tous, on était à la veille des élections. Et vous et moi, vous savez, et d'ailleurs, j'ouvre la parenthèse, je la ferme, une fierté du fait que les Congolais ont organisé les élections par des fonds propres de notre propre pays, nous-mêmes. Mais vous saviez quelle était la pression à l'époque avec l'extérieur. Donc les relations n'étaient pas du tout bonnes pour que la maison Schengen puisse être ouverte. L'autre élément qu'il faut considérer, il y a eu ouverture encore plus large. Le fait qu'on a changé la maison Schengen en une nouvelle appellation qui va couvrir toute l'Europe, je pense qu'il y a encore beaucoup des avancées et il faut saluer cela. Et moi, personnellement, en toute objectivité, j'encourage et je crois que ça va répondre à beaucoup de besoins. Vous l'aviez déjà dit. Oui, s'agissant de l'implosion était imminente avant la conférence de presse de... du porte-parole même du candidat Fayulu. Je parle bien au Congo, comment on l'appelle encore, Pierre Lombi, voilà. Oui, oui, la position de la Mouka, comme je venais de dire, nous de la société civile, on ne peut pas s'immixer dans la gestion interne, dans la gestion politique d'une composante, mais nous pouvons faire une lecture croisée de ce que représente cette force ou cette composante au sein de l'opinion publique ou ce qu'elle a vécu. Parlons de l'historique de la Mouka. L'historique de la Mouka, nous tous, nous avions condamné le fait que certains Congolais, certains compatriotes quittent le pays pour aller faire des accords à l'extérieur du pays. Et nous savons tout ce qu'on a dit contre cette composante-là. La Mouka, nous le savons tout ce qu'on avait dit et nous l'avions condamné. Nous ne condamnons pas nos compatriotes. Ceux qui sont là-dedans, ce sont mes aînés, je les respecte beaucoup. Mais la procédure d'aller faire des alliances à l'extérieur du pays, ça les collera jusqu'à la peau. Et je ne sais pas comment est-ce qu'il faut arriver à se dédouaner de ça, de la population. Ça, c'est un élément. Donc, ça prouve à suffisance que beaucoup de Congolais n'ont pas apprécié cela. Deuxième élément, les acteurs de la Mouka eux-mêmes. Nous le savons, il y a ceux qui ont géré avec Mobutu, il y a ceux qui ont géré avec Mzee Laurent Désiré Kabila, il y a ceux qui ont géré avec Joseph Kabila. Mais le fait d'aller chez la Mouka, ça devient comme une blanchisserie. Mais les mêmes acteurs, comme ils ont fait chez les autres précédents, ils vont faire la même chose, ils vont chercher à faire allégeance au nouveau président de la République pour se retrouver aux commandes. Et donc, ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonnerait pas que demain, mon co-débatteur ici, même si demain, lui aussi peut faire allégeance au chef de l'État actuel ou à la composante cash ou autre, ça ne m'étonnerait pas. Et donc, c'était prévisible que ça va être... L'autre élément qu'il faut considérer par rapport à cela, le fait qu'ils ont perdu des élections. La souplesse voudrait qu'ils puissent prendre la réalité en face pour dire, voilà, nous avons un seul pays. Et je pense d'ailleurs, ça continue à me faire mal. Le fait que c'est l'opposition qui a gagné les élections, et c'est un membre de l'opposition qui continue à contester son frère de l'opposition. Nous, de la société civile, on dit finalement, quel était le combat de ces gens-là? Ils voulaient que Joseph Kabila puisse partir. Ils voulaient que le peuple ne puisse plus continuer à gouverner. Ils voudraient que l'FCC ne gagne pas les élections. Finalement, c'est l'opposition qui a gagné. Félix a fait 35 ans au sein de l'IDPS qui a gagné les élections. La Mouka sont des membres de l'opposition. Et quand ce sont les membres de l'opposition qui commencent à se combattre entre eux-mêmes, nous, de la société civile, ça nous fait tiquer. On se dit finalement...
sidérés. Nous sommes sidérés. Alors, et on n'arrive pas à comprendre. Alors, Steve Kivuata, dites-nous maintenant que la Mouka se vide de sa substance nécessaire. Est-ce qu'il faut encore continuer à parler au nom de la Mouka? D'abord, je félicite M. Moucha Galoussa qui représente très bien Cash sur ses plateaux. La Mouka est toujours là. Oui. Ne vous inquiétez pas, la Mouka est là parce que notre combat, c'est le combat pour le changement. Et il n'y a aucune autre formation politique, aucune autre coalition qui peut apporter les changements. Et ces changements ne pouvaient pas être obtenus seulement grâce à la présidentielle. Monsieur Moucha Galoussa fait une mauvaise lecture quand il dit l'opposition a gagné les élections. Le Tondoula, c'est un juriste connu, rompu, un vétéran de notre pays. Est-ce que vous ne l'avez pas suivi? Son parcours est aussi connu. On sait d'où il est venu, d'où est-ce qu'il est passé et où est-ce qu'il est en train d'aller. Malheureusement, nous connaissons ces hommes politiques qui ont fait de la prostitution politique leur seconde nature. Ça ne nous étonne pas. Peut-être que vous ne connaissez pas la Mouka. La Mouka, au sommet, c'est 5 leaders. Et à la base, c'est 5 leaders. Et aujourd'hui, ils sont au nombre de combien? Ils sont toujours le 5. D'ailleurs, il y a un autre qui s'est ajouté. Donc ils sont à 6, mais la conférence de leaders est composée de 5 leaders: Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Adolphe Mouzito, Freddy Matungulu et Martin Fayulu. Ils sont unanimes, ils sont solidaires, ils ne se sont jamais dédiés. Au fait, le fait d'avoir dans notre camp politique ceux qui veulent chercher de poste auprès du président proclamé actuel, il n'en aura d'ailleurs pas beaucoup à donner aux opposants, parce que le FCC, resserrant les rangs, ayant déjà la majorité parlementaire confortable, il n'y aura que quelques postes aux opposants et vous verrez que certains parmi eux vont encore revenir à l'opposition. Donc la Mouka n'est pas dissoute. Ceux qui sont en train de faire des déclarations n'ont pas qualité pour dissoudre la Mouka. La Mouka, aujourd'hui, est devenue même un état d'esprit, une propriété du peuple. Nous sommes en train de les voir dans les tournées de Martin Fayulu. Le peuple veut que la Mouka puisse continuer son combat. Un combat de résistance, un combat pour la vérité des urnes, un combat pour le vrai changement. Parce que le vrai changement, on ne pouvait que l'obtenir dans la vérité et en gagnant toutes les élections. La gestion du pays ne s'est fait pas au niveau de la présidence, c'est au niveau du Parlement. Cette fois-ci, l'axe aussi bien l'opposition républicaine ou tout simplement l'insurrection. Nous allons faire de la résistance pacifique. L'opposition l'a fait face à ceux qui ont réellement gagné les élections. Nous sommes face à des gens qui ont utilisé la ruse et la force pour s'imposer. Nous allons faire la résistance jusqu'à ce que nous allons récupérer le pouvoir. Alors, Prince Tshabola, vivre autrement, quelle est votre lecture de ce qui se passe au sein de la Mouka? Est-ce qu'il y a un avenir pour cette coalition? Bon, ce n'est pas justement à nous prophétiser si la Mouka survivra ou aura de l'avenir, mais seulement en tant qu'observateur de la scène politique congolaise, nous, jusqu'à ce jour, d'ailleurs nous avons fait quelques écrits là-dessus, sur les réseaux sociaux et dans certains groupes aussi en même temps, nous nous insurgeons en tant que tels à ceux qui, contre justement ceux qui prétendaient justement que le fait qu'il y ait des cadres d'un parti politique ou un regroupement politique, membre d'une plateforme électorale. Je ne parle pas des membres de cette plateforme électorale, j'en arrive, mais je parle de cadres d'un regroupement politique qui prennent position pour dire nous ne nous reconnaissons pas ou nous pensons que cette structure ne va plus exister et que tout de suite que le média s'enflamme pour faire de la récupération et jeter justement des communiqués sous la toile disant justement que la Mouka n'existe pas. En tant que juriste de formation, j'avais trouvé cela politiquement correct, s'il faut le dire, mais éthiquement pas correct, parce que ce n'est pas le fait de faire semblant de comprendre le fonctionnement d'une structure en tant que telle, qui au départ est composée des leaders de regroupements politiques ou encore de partis politiques, par le simple fait justement que ce dernier n'ait pas pris position pour dire nous décidons justement la fin
de la cérémonie ou du combat ou encore de la lutte en tant que telle dans la Mouka, et se contenter tout simplement de certains cadres d'un parti politique pour justement enflammer la toile. J'ai trouvé cela éthiquement pas correct en tant que tel, et nous pensons qu'au niveau du mouvement Vivre Autrement, nous avons toujours pensé que l'aspiration de ce peuple est celle de construire une nouvelle société, une société juste en tant que tel, et une société juste doit être imprimée par les acteurs politiques, par les leaders politiques, afin de conduire cette société. Mais une fois de plus, si nous nous contentons de prendre position, parce que vous l'avez vous-même cité ici, l'honorable Lutumbula et Baba Kiung, qui ajoutent en tant que tel, qui prennent cette position, primat politique, on peut le comprendre, mais enflammer la toile pour décrier une structure, une plateforme comme la Mouka, en tout cas, moi, je trouvais cela, ou au niveau du mouvement Vivre Autrement, on trouvait cela injuste. Est-ce que le silence de Katumbi, Moïse Katumbi, n'est-il pas en train d'inquiéter quand même pour l'avenir de la Mouka? On m'a posé la même question aussi, j'avais répondu dans le même terme. Est-ce que la Mouka est composée, ou le président de la Mouka s'appelle Moïse Katumbi? Je ne pense pas. Le président de la Mouka, comme mon co-débatteur de la Mouka, je ne suis pas en train de faire l'avocat de la Mouka ici, et malheureusement, il y en a qui sont mieux placés à le faire. Il a dit, il a cité, quelle est la composition, la tête en tant que telle de la Mouka? Il parle justement de la conférence, bon, j'ai crois que c'est la conférence des leaders en tant que telle. Est-ce que, pourquoi ce fixisme sur le monsieur Katumbi, et non Bemba, et non Matungulu, et non, et j'en passe, je ne connais pas tous les noms en tant que tels. Je sens de la mauvaise foi de la politique, comme vous l'aimez le dire, mais nous, au niveau du mouvement Vivre Autrement, parce que nous pensons qu'il faut vivre autrement pour créer une nouvelle société, je crois que c'est l'acharnement. Je dirais, mon cher Galoussa, est-ce que Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi ne sont-ils pas en train de retirer les béquilles qu'ils avaient prêtées ou qu'ils auraient prêtées à Martin Fayoum? Je pense qu'il faut être averti et savoir lire les signes des temps. Vous venez de le dire, mais le silence là, ça veut tout dire. Je pense, je ne veux pas faire, comment il faut dire, je ne peux pas anticiper l'avenir, mais je pense que la MOUK est en train de finir. Nous savons également que, disons-le à haute voix, Moïse Katumbi a des relations personnelles avec Félix Tshisekedi. Le fait que Félix a été élu à la présidence de la République, c'est vrai, Moïse s'est retrouvé dans une situation où il ne savait pas le féliciter, d'autant plus qu'il venait de faire des alliances avec Martin Fayoum chez la Mouka. Mais quand il a vu que c'est son frère, et je pense que Moïse et Jean-Pierre Bemba, ils ont fait alliance avec la Mouka tout simplement parce qu'ils savaient, ils voulaient barrer la route, je le répète. Mais le patriarche Kungu a déjà parlé. Quand il a parlé, est-ce que ce n'est pas Katumbi qui a parlé? Je vais y arriver. J'ai dit bien, je le répète, que Moïse et Jean-Pierre Bemba, ils ont fait alliance avec la Mouka d'abord avant que Félix Vital se retire. Tout simplement, l'objectif était de barrer la route à OFCC ou à un candidat de la majorité de gagner les élections. Comme je pense qu'ils ont réfléchi que notre objectif ayant été atteint, nous ne pouvons plus continuer à faire un combat. Et ce que Martin est en train de faire là, il le fait, je le comprends, pour ne pas décevoir tel ou tel, pour montrer quand même continuer à réclamer quelque chose. Mais je pense que Moïse et Jean-Pierre Bemba, ils se sont rendus compte qu'un de leurs a gagné des élections. Et le fait que Baba Wakatanga s'est prononcé, qui a des relations très proches avec Moïse Katumbi, je pense que, en tout cas, je peux parier que la Mouka est en train de finir et Moïse et je ne vois pas Jean-Pierre Bemba qu'ils vont continuer à soutenir Martin Fayoulou ou qu'ils vont s'attaquer directement. Il est vrai que des intérêts politiques peuvent diverger demain ou après-demain. Probablement qu'ils sont en négociation avec un main invisible avec l'actuel président de la République. C'est pourquoi ils ne veulent pas se prononcer et attendons voir. Mais je parie que Moïse ne traitera pas mal Félix ou Jean-Pierre Bemba s'insurgera contre Félix pour continuer à soutenir la Mouka. Alors Steve, Gabriel Kungu n'est pas n'importe qui dans la Mouka. Il a dit exactement qu'il n'y a qu'un seul président qui est élu et qui dirige le pays, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moïse Katumbi ne lui fera pas la guerre. Et vous semblez minimiser ça. Et pourtant, ceux qui ont prêté des béquilles, entre guillemets, à Martin Fayoulou, sont en train de le retirer, de les lui retirer. Est-ce qu'il ne faut pas s'asseoir, réfléchir sur votre proche avenir, changer par exemple l'approche de votre lutte politique au lieu de
faire ce que vous êtes en train de faire. Est-ce qu'il y a du réalisme dans ce que vous faites? Au fait, moi je pense que la gestion du pays, ce n'est pas une affaire de copains. Sinon, entre Martin Fayulu et Moïse Katumbi, celui qui est plus proche de Félix Tshisekedi, ça serait Martin Fayulu. Martin Fayulu a été plus proche de Étienne Tshisekedi, il prie même dans une même église. Donc ce n'est pas une question de copains, il s'agit de l'État et il s'agit des intérêts du peuple congolais. Et ici, nous parlons d'un hold-up électoral et nous parlons du changement. Le peuple veut les changements. Peut-être que maintenant, vous n'êtes pas en train de mesurer que nous sommes dans la continuité. Et ça va s'apercevoir. Monsieur Mouchagalou, ça encore une fois de plus, je le répète, il fait une lecture partielle du fonctionnement des institutions. Un président de la République n'a pas de pouvoir sans la majorité parlementaire. Je répète ma préoccupation tout à l'heure. Oui. La Mouka se vide de ces gros poissons qui lui ont donné plus de poids. Mmh. Et vous n'êtes pas prêt à vous asseoir pour revoir l'approche de votre combat où vous ont été. Et pourtant, il y a des déclarations qui sont en train de montrer que la Mouka est en train de partir. Nous sommes dans notre combat. Notre combat, c'est les changements. Et nous estimons que les institutions qui ont été proclamées, qui vont s'installer, ne vont pas apporter les changements. Le vide dont vous parlez, ce n'est qu'une vue de l'esprit pour certaines personnes politiquement intéressées. Nous savons que Baba Akyungu, on le respecte beaucoup, mais lui aussi, on connaît son parcours. Il est déjà au soir de l'âge. Il ne peut que faire de choix personnel, mais nous vous disons qu'à la base et au sommet, nous avons le 5 leaders qui ne se sont pas encore réunis. Ce que vous dites, ça vient de Martin Fayulu ou ça vient de Pierre Lumbi? Je suis porte-parole de la Mouka et Pierre Lumbi a fait un communiqué où il disait la même chose, que ceux qui sont en train de parler, ils sont en train de parler à titre personnel, ils n'engagent pas ensemble. Et je vous rappelle que Pierre Lumbi est vice-président d'Ensemble, donc c'est lui qui est mieux placé pour engager ensemble. De toutes les façons, au fait, la Mouka a atteint le niveau de devenir une propriété du peuple. Ça ne nous appartient plus. Aujourd'hui, abandonner la Mouka, c'est abandonner le peuple congolais. Vous abandonnez la Mouka pour vous approcher de Félix Tshisekedi, président proclamé, sans pouvoir. Il n'y a pas moyen de continuer la lutte au sein de l'Essilé, par exemple, ou de la dynamique de l'opposition. Non, mais nous avons décidé, nous sommes de Nouvel Élan, d'Adolphe Mouzito, Matungulu à son parti politique, on a décidé de mettre ensemble nos forces parce que notre combat est noble. Aujourd'hui, nous savons que les perspectives sont tellement floues pour le pays et floues pour le peuple. Nous avons des institutions qui ne s'assument pas. Nous avons un président qui ne prend que des mesures en termes d'opérations de charme, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Nous avons un FCC qui a une majorité parlementaire, mais qui ne veut pas s'assumer et dire qu'il a le vrai pouvoir. Et son pouvoir est assis sur un seul individu que le peuple a rejeté lors des élections, mais qui, par magie, a pu obtenir la majorité parlementaire. Nous sommes dans cette situation et la Mouka doit continuer son combat. Aujourd'hui, la disparition de la Mouka, c'est la disparition de l'espoir du peuple congolais. Tout leader qui risquerait de décevoir cette aspiration du peuple congolais, il faut voir combien de citoyens appellent les autorités de la Mouka pour qu'on aille vers eux. Le peuple a de l'espoir à travers la Mouka, c'est nous qui représentons les changements. Et d'ailleurs, je ne vais pas vous apprendre que même le président proclamé disait de Martin Fayulu, c'est lui qui représentait les changements. Donc ce n'est pas une nouveauté, nous allons continuer notre combat, il y aura des défections parce que l'opportunisme et la prostitution politique, ça ne serait pas effectivement une création de ces cadres qui sont en train de faire défection parce qu'ils n'ont pas le courage de mener les combats du peuple. Alors, vivre autrement, est-ce que vous avez pignon sur rue, que vous dit votre base à propos de ce combat? Une structure, une coalition a été créée pour besoin électoraliste, et puis après, c'est la débâcle, et on dit qu'on continue le combat. Combien de chances vous leur donnez pour continuer? Bon, je crois que c'est hier seulement que le FCC, qui aussi au départ était une plateforme politique, une plateforme électorale, qui s'est mutée, je crois, en une plateforme politique. Est-ce que déjà
ne pouvons pas nous donner, en tout cas à la MUCA, aussi cette possibilité dans le temps, au besoin, si, parce qu'il y a encore des élections qui s'organisent à Yumbi, il y a des élections qui s'organisent dans le Béni, Ville, Béni Territoire et Boutembo. Nous avons des élections au niveau des gouverneurs et j'en passe. Et je crois que la MUCA, bien que focalisée sur la présidence, mais devait, en tout cas, à moins que j'ai bien lu l'accord en question, il devait faire en sorte qu'ils soient solidaires entre eux au niveau des assemblées provinciales ou encore nationales. Je crois que ce combat de la MUCA ou encore de FCC devait continuer jusqu'à la fin du processus électoral afin qu'ils voient dans quelle mesure faire la mutation. Et aussi, justement, nous ne pouvons pas, juste parce qu'on a vu que la MUCA, dans sa création, il était un homme de 7, quand il y a eu défection des deux grands leaders, parce que quand vous citez monsieur l'actuel président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Vital Kamerhe, ce n'étaient pas des petits poissons. Mais ils ont fait défection, la MUCA n'avait pas proclamé sa fin d'existence. Aujourd'hui, j'insiste très bien qu'il s'agit de cadres d'un parti, d'un regroupement politique qui, dans leur prise de position, disent qu'il faut, ça ne vaut pas la peine que cette structure continue. Et tout de suite, est-ce qu'il faudrait-il qu'on décrit sur la MUCA? Alors, ça pose justement un problème, justement, je peux comprendre politiquement, mais sur le plan de l'éthique, ce n'est pas correct. Vous pensez aussi que c'est tôt de dire la MUCA, c'est fini avant la fin du processus électoral? Par contre, moi je pense effectivement que c'est le moment de dire à la MUCA de la MUCA, au sens vrai du mot. Parce que je pense effectivement, je fais une lecture simple. On est entré, si on cherche le pouvoir, il faut être aussi réaliste. Il y a déjà la défection d'autant des leaders. Donc, la MUCA est en train de se vider de certains leaders. Ça, on reconnaît. Je sais que le porte-parole, mon co-débatteur ici, il parle des choses, effectivement, pour plaire à ceux qui l'ont envoyé. Mais sur le plan des convictions, je suis en train de lire ça en lui. Il est convaincu qu'il ne voit aller nulle part. Parce qu'il était soutenu, la MUCA aussi, par l'extérieur, l'Union européenne. Nous avons suivi les pays de l'Europe qui ont félicité l'actuel chef de l'État. Et donc, les béquilles qu'ils avaient, tant à l'interne qu'à l'externe du pays, qu'à l'extérieur du pays, ça n'existe plus. Comment est-ce qu'ils vont encore accéder au pouvoir? Ils continuent à réclamer la vérité des urnes. L'actuel chef de l'État, il a déjà été élu et on a utilisé les mécanismes et les institutions qui sont prévues pour légitimer un chef de l'État. La CENI l'a proclamé, donc le peuple l'a décidé. La Cour constitutionnelle l'a confirmé. Tous les chefs d'État, beaucoup de chefs d'État et des institutions régionales et internationales le reconnaissent comme chef de l'État. Et donc, je ne vois pas par quel mécanisme, franchement, je sais, peut-être c'est moi qui rêve, il faut qu'un gars dans la MUCA, peut-être comme on veut dire à l'ingal. Je ne vois pas par quel mécanisme Martin Fayoulou aujourd'hui va accéder à la magistrature suprême. On va dire non, il faut organiser des élections dans 6 mois. Les élections pour arriver au 30 décembre, ça nous a coûté beaucoup de moyens, beaucoup de problèmes, beaucoup de pressions, beaucoup de défis, beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés qu'on a surmontées. Je ne vois pas par quel mécanisme. Quel est ce bateau magique, mon frère, par lequel vous allez frapper pour dire non, président Félix Tshisekedi quitter là-bas, c'est Martin Fayoulou qui va être investi? Je ne comprends pas. Je pense, si vous êtes vraiment des compatriotes, et je le sais que vous le parce que je sens, vous êtes vraiment un homme intelligent et que vous avez les soucis du peuple, faites une opposition républicaine constructive. Si vous avez un bon projet pour ce pays, prenez ce projet-là, amenez-la pour dire Félix Tshisekedi, vous étiez l'un des nôtres, vous avez gagné. Peuple congolais, voici nous notre contribution à la refondation de l'État, voici notre contribution à l'amélioration des conditions de vie sociale, voici notre contribution par rapport à tel secteur ou telle thématique de la vie nationale. Nous les remettons à Félix Tshisekedi, exécuté, puisque ce qui nous intéresse, ce n'est pas moi qui compte, c'est la population, c'est l'intérêt. Ce serait un grand signe et faire un message d'appel à la paix, un message d'appel à l'unité nationale. Je vous promets, mon frère, je donne mon droit à couper sur ce plateau. Vous sortirez grand, vous sortirez gagnant, vous sortirez avec plus d'honneur et le peuple reconnaîtra. Effectivement, nous remarquons que la MUCA se battait pour les intérêts du peuple et pas pour des intérêts égoïstes, pas pour des intérêts occidentaux, pas pour des intérêts de la main noire, pas pour des intérêts contre la République, mais pas pour la balkanisation du pays et pas pour mettre ce pays aux mains des prédateurs. Merci Dieudonné Mouchagaloussa. Vous avez compris que Billy Kambalé, son absence, a donc biaisé le débat. Voilà, je vous dis merci d'être venu et d'avoir débattu avec nous autour de ces deux sujets. Voilà, très bonne suite de programme sur votre chaîne et
au vendredi prochain.